Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Starbound Decat Please Giraffe. Et donc on descend sur la fameuse planète de type frigide et on va aller voir ce qu'on peut y trouver. De l'eau et de la neige, c'est génial. D'ailleurs ça me fait penser que je suis pas censé être en armure genre protection contre les hautes températures. Alors ça me fait rien mais ça m'intrigue. Parce que je suis certain d'être en armure protection contre les hautes températures et que ça doit être marqué genre température dangereusely low. Alors attendez. Cold protection. Si je mets ça, est-ce que je suis touché? Est-ce qu'il y a un non-sens? Non, les deux fonctionnent. Intéressant. C'est pas mal fichu en fait. On va y aller comme ça, on va bourrer, hein, chers amis, ça va suffire. Voilà. Et une fois qu'on aura fait le tour rapidement, on ira dans les profondeurs. Ah oui, chers amis aussi, pour ceux qui ont du matériel qu'ils ne veulent plus utiliser, je suis à la recherche d'un Razer Orbweaver Stealth. Donc ceux qui ont ça ou qui savent comment je pourrais m'en procurer à un prix assez honnête, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais l'avoir en fait dans le cadre Daily Dangerous. Plutôt que d'avoir un clavier, je trouve que ce serait déjà d'une pour moi plus agréable d'avoir un truc, un système un peu plus RP. Et sachant que mon manche à balai, pardon, je vais y arriver. Mon manche à balai n'a rien en fait au niveau de la propulsion. Enfin, il y a la propulsion dessus. Du coup, c'est les deux mains dessus. J'aimerais avoir par exemple une main sur le manche vraiment et avec tous les boutons qui sont directement posés sur le manche et une main sur autre chose qui fasse un peu plus siège. Vu le temps que je passe actuellement dans le jeu, je me dis que ce serait sans doute pas forcément de l'argent perdu. Surtout si un jour, par exemple, n'importe quoi, je me mets à faire du facecam, que ce soit en Twitch ou en n'importe quoi. D'ailleurs, les lives, il faudra que je vous en reparle. J'ai pas encore fait de test, hein, je suis désolé. J'ai juste l'occasion de jouer avec une personne sur un autre jeu, donc sur Guild Wars 2, qui fait des lives avec une connexion légèrement améliorée par rapport à la mienne. Et donc j'ai, disons, une certaine visibilité sur la qualité de ce qui est fait. Donc ce sera à voir ensemble avec elle et moi pour voir si c'est potable ou pas. Hop. Alors, on n'a pas déjà vu ça ? Il me semble que si. Ah non, ça me dit rien ça. Vivre. Vous savez quoi, on va aller au fond de l'eau, c'est pas grave. On y va. Voilà, on y est. Et on va y aller comme ça. Ah oui, l'astuce, chers amis. Ah, c'est cool, elle marche plus, j'ai l'impression. Ah si, là voilà. C'était ça l'astuce. C'est ça l'astuce. Donc en gros, vous appuyez vers le haut, vous touchez, hop, vous cliquez, clic droit avec votre truc, tout en maintenant avant, haut et saut. Le premier en fait fera que vous annulez votre grappin. Et les autres, faut aller assez vite pour pouvoir garder la hauteur suffisante pour pouvoir jeter un œil toujours sur le truc. Mais comme apparemment les fonds marins ne sont plus plats. Ça va peut-être poser plus de problèmes.
Ah, un coffre. Un coffre avec strictement rien dedans à part un instrument. Et je m'attendais à un truc un peu plus RP vis-à-vis de la flotte. Mais apparemment ce n'est pas le cas. Donc on va continuer comme ça plutôt, ça va être mieux. Hop. C'est calme sous l'eau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment agréable. J'ai beaucoup aimé moi dans les précédentes mises à jour, donc les passages que j'ai fait sous l'eau. Bon, certes, ils sont pas hyper utiles, mais voilà. Peut-être que maintenant ils le sont un peu plus, remarque. Mais bon, j'ai un doute. Et dans le pire des cas, on ira donc sous la surface. Et on cherchera. Hop. C'est vrai qu'on trouve pas grand chose là. Hop, là, un coffre. Rien de ce qui nous intéresse, hein, c'est incroyable. Hein. On n'en a pas trouvé un en 3 épisodes, c'est violent. Le slash admin me titille. Non, pas tant que ça, à vrai dire. J'aime beaucoup les phases d'exploration de ce jeu. C'est vrai que c'est chiant, l'espèce de farm où on n'en trouve pas du tout en fait. Ça, c'est casse-couille. Mais non, sinon le reste est bon. Le jeu est très très bon. Même si à la différence des Dangerous où je n'ai aucun argument négatif à donner, j'en ai pour ce jeu. Par exemple, le flegme des développeurs. Alors certains me diront oui, mais c'est pas directement dans le jeu. Bah, je suis désolé, si c'est le jeu est en alpha, c'est eux qui font les mises à jour, ou en bêta, pardon. Donc si, si, il y a quand même un désagrément vis-à-vis du jeu. Bon, on trouve rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter à la surface. Hop. Même remonter en vitesse grand V. Ah bah forcément. Ah bah d'accord. Et je tombe sur le seul endroit où il n'y a pas de surface, putain. Ah, c'est pas possible. Hop. Et on va redescendre illico et on va creuser. Hop, c'est parti. On se met bien là. On se colle là. Comme ça, on va pouvoir avoir une chute constante. Ça va être assez long, chers amis, la chute là. D'ailleurs, on va prendre le gun, vous savez quoi. Hop. Oh, il a une bonne tête le requin, dis donc, ouais. Par contre, niveau efficacité, il est un peu naze, hein. Ah, ça y est, il m'a touché. Je crois. Alors, allons-y. Hop. Et donc là, chers amis, l'astuce pour éviter de... Non, parce que là, en fait, on est dans un biome océan, du coup, on peut pas vider les cubes. L'astuce, c'est de passer sous le bloc, de reboucher, hop, et là, vous pouvez récupérer. Tout simplement. Donc, c'est, en fait, ce sont des cubes océans qui sont invidables. Tout simplement. C'est extrêmement simple, c'est très, très efficace, faut l'admettre. Là, il y a du mob. Hop, voilà. On va rester aussi possible le plus longtemps possible dans la neige. Hein. C'est plus facile à casser. Ah, il m'a touché aussi, lui. Et là, par exemple, il n'y en a pas. J'ai pas envie d'y aller. Là, ça reste un peu plus longtemps. Hop. Et là je vois un coffre droit devant. Je le veux. Je vois aussi le truc en dessous, n'inquiétez pas. Hein. Même si ça ne sera pas utile parce que j'ai déjà tout. Alors ici on trouve encore une fois rien du tout. Ça commence à m'intriguer, chers amis là. Où sont mes upgrades modules? Encore une fois, je suis désolé pour mon accent pathétique en anglais. Hein. Bon. On trouve vraiment rien, c'est violent.
Toujours pas. Oh la vache. Je capte pas. Franchement, je capte vraiment pas. Où est-ce que je suis censé en trouver? Attendez, on va quand même faire un truc bien. Histoire de faire bien les choses quand même. Parce que bon, si on trouve une challenge room, ça peut être cool de la faire et de la réussir cette fois-ci. Mais ouais, non, c'est là. Ah bah voilà. Mais je la réussis par contre. Telle est la question. Normalement, là je devrais par exemple. Vous voyez, si je fais un espace. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure dans le précédent épisode. Si je fais un espace là. Voilà, je peux m'y téléporter. Donc normalement, j'aurais pu m'y téléporter. C'est pour ça que je comprends pas ne pas y être arrivé. On y va. Espérons que ce soit une que je n'ai pas encore faite. Ça serait cool. Ah, si, je l'ai faite celle-là, mais je suis mort dedans. Intéressant. Hop. Hop. Où sont les autres? Là-bas. Je les ai pas tout tués? Allez, allez, la touche espace. Putain, la touche échappe, pardon. Oh putain, c'est pas passé près. Pas passé loin, pardon. Je vais y arriver. Oh là là, le stress, chers amis. Ça, c'était pas prévu, mais bon. Écoutez, si ça a marché, ça a marché. Ça a ouvert toute la porte. Enfin, ça a ouvert la porte. Donc c'est bon, on a réussi. Oh putain. Et on trouve rien dedans, mais non. Mais non. Mais jeu de merde. Oh putain. J'y ai cru. J'y ai cru, nom de Dieu. C'est vilain. C'est vilain, c'est vilain. Ah. Ah, vilain. Tu veux devenir un homme, vilain? Je vais te faire devenir... Je vais t'aider à devenir un homme. Hop. On va passer par là, c'est pas grave. Ah bah oui, il y a un passage en plus. Hop. Ah cool, une deuxième. Retentons notre chance. Et puis il y a un coffre. Hop. Est-ce que je suis en train de regarder là, moi comme un con. Là, il y a quoi là-dedans? Non, tu dégages. Je suis désolé, tu dégages. Ok. Challenge portal. Bon. Il va falloir rezoomer, chers amis. Oui, il va falloir rezoomer. Ouh. Mais c'est génial. Bon, jusque-là, on se débrouille pas trop mal. Non, je devrais pouvoir y arriver. Je devrais pouvoir y arriver normalement. Ah, c'est casse-couille. Ah, c'est casse-couille. Bon bah non, on n'y arrivera pas.
Là, c'est facile. Enfin, tout est relatif. Pourquoi c'est un peu trop... Bon. C'est déjà fini, en fait. Non, non. Je veux dire que c'est un peu trop facile, là. Il est bien, ce truc. Il est bien, ce marteau. Il est moins puissant, mais il est bien. Hop! Progressons, progressons, progressons. On va essayer d'en faire deux de suite. On est bon ou on n'est pas bon, chers amis? On va remettre le... La caméra. Il y en a une troisième, nom de Dieu! C'est bien ce qui me semblait, j'avais cru en avoir vu une. Avec un coffre déjà à côté, ça c'est cool. Bon, dans tous les cas, on l'aura pas perdu. Oh, mais il n'y a rien d'intéressant dedans, quoi. Bon, c'est pas grave. Oula. En fait, il n'y a pas de bug à cause de ça. Non, c'est bon. Ok, allons-y. Jusque-là, 0... D'accord, dès que je passe devant... C'est ça, dès que je passe devant... Ah, c'est pas mal, j'aime bien ça. Ça fonctionne comment? D'accord, donc c'est tous des capteurs avec un... Ok! Ah putain, il me les faut ces trucs-là. Hop là. D'accord. Et il y a encore un truc avec une bouboule, quoi. Hop là. Voilà, pas de problème. Winter Scarf, bah je vais la prendre parce qu'elle est vraiment cool. Et qu'elle va très très bien avec cette armure. Bon non, ça j'en veux pas. Ok, bon bah écoutez, on en a enchaîné 3, même si on n'a pas tout eu, c'est ça qui est dégueulasse. Donc écoutez, on va remettre... Hop, ça comme ça. Dégage. Dégage de mon soleil, tu fais éclipse avec ton gros cul. Référence à quel film? Citation de quel film, chers amis? Un film culte. Et on aura atteint la surface à la con. Ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Là, il y a une grosse quantité, j'ai bien envie de... la prendre, je dois l'avouer. Ah, oh, mais il m'en faut 30. Bon, on suicide, chers amis. On va les suicider, c'est pas grave. Peut-être des choses intéressantes par là. Bla. Bon. Eh ben, écoutez, ça va être très difficile de trouver ces modules machin, là. Ces upgrades modules. Ça va être extrêmement compliqué. Ils ont toujours pas fait la... Ouais, c'est encore un Nova Kid. C'est pas un... C'est l'animation d'un humain pour un Nova Kid. C'est gonflant. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à me donner des conseils pour trouver plus d'upgrade modules. Je serais ravi d'en avoir. Quant à moi, je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.